Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se retrouver avec un petit tuto make-up de Madame Huda. Huda Beauty a sorti deux palettes, petites comme ça. La matte, alors attendez c'est laquelle que j'ai, il y en a deux, il y a la matte aux teintes chaudes et la matte aux teintes froides. Et j'ai pris celle aux teintes chaudes, vous me connaissez, j'ai hésité mais j'ai fait un sondage sur Instagram pour savoir laquelle vous préférez, enfin les abonnés qui me suivent sur Instagram, laquelle préfèrent. Pardon, excusez-moi. Ressortait le plus et c'était les teintes chaudes. Donc j'ai acheté les teintes chaudes. Mais vraiment, cette palette, elle a pas fait le buzz autant que ça. Quoi, j'en ai pas vraiment entendu parler. Je l'ai juste vue parce que je suis des comptes Insta Trend Moon, je crois que ça s'appelle. Enfin, je suis plusieurs comptes comme ça où ça montre les nouveautés. Ça a pas fait le buzz quoi. Enfin, je l'ai vu sur ça et j'ai reçu la notif sur Sephora parce que j'avais activé la notif pour recevoir quand ça allait sortir. Et du coup, je l'ai acheté en fait dès sa sortie. Elle est sortie quand? Elle est sortie dimanche dernier? Lundi? Je sais plus. Mais du coup voilà, donc c'est une palette 100% matte. À moi, ça s'appelle la Wearm Matte Obsession. Donc elle fait partie des petites obsessions. Elle est au prix de 29,90€. Et c'est bah, des palettes de 9 fards à paupières. Voilà, elle se présente comme ceci. J'en ai une panoplie, je vais vous montrer ça. Mais Obsession de chez Huda Beauty. La plupart, je les aime. Il n'y en a qu'une que j'aime pas. C'est celle-ci. La Blue and Green. Il y en a qui se sont retrouvés dans mon top des palettes 2022, donc j'en ai, mais j'ai des déceptions. Je sais pas si j'ai des attentes un peu trop hautes, mais les palettes en ce moment, genre, la dernière que j'ai testée ne m'a pas fait spécialement vibrer. Enfin bon, l'harmonie c'était pas ça quoi, je vous mettrais celle aux teintes froides sur l'écran, c'était pas... C'est pas des palettes qui me font vibrer quand je les regarde, le packaging est très quali par contre. Les fards, alors combien il y a de grammage? 7,03 grammes divisé par 9, on est à 0,78 grammes par parapaupière. Je trouve ça nul, je trouve ça minable. Alors il y a des fards qui sont un peu, je sais pas. Qu'est-ce que je vous disais? Ouais, 29,90€, donc elle se présente comme ça, donc teinte chaude toujours avec le petit miroir là. Donc voilà, et c'est comme le nom l'appelle, une palette 100% matte, zéro fard irisé. Donc voilà, c'est pas ce que je préfère, j'aime bien quand il y a un petit irisé, mais voilà. Désolée pour ma peau, elle est très rouge. Je sais pas à quoi je fais une réaction, mais elle est très rouge. Du coup, j'ai juste mis un highlighter bien voyant pour essayer de camoufler tout ça. J'ai mis le Fenty Beauty. J'ai pas mis de blush parce que je me trouve très très rouge. Je pense pas que ça sera un make-up trop travaillé. Parce que je sais pas ce qu'on veut faire qu'avec des fards mats. Mais bon, je vais essayer du moins. Je vais prendre, j'ai deux fards foncés. Alors je sais pas si vous verrez, mais... Les fards ici, donc ceux-là, plus celui-ci, ils sont normaux, mais... Attendez, je me trompe pas. Oui, je me trompe. Ceux-là, plus celui-ci, ils sont normaux, mais ceux de là, aux extrémités, ils sont un peu texturés. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a mis son fard ou... vous voyez là? Celui-ci et celui-ci. On dirait que quelqu'un a mis son pinceau, donc je sais pas si c'est fait exprès. On dirait, je sais pas. Bref, c'est pas grave. Je vais prendre du coup ce fard-là, que je vais mettre au coin interne. Le fard, pour l'instant, se prélève bien. Il est pas du tout poudreux. Ouais, je sais pas. On dirait qu'il est un peu crémeux. Enfin, comment on le prélève, on dirait qu'il est un peu crémeux. Alors, une fois qu'on l'estompe, vous voyez pas trop, j'ai l'impression. Ça perd un petit peu en intensité. Genre, il disparaît. J'ai l'impression. Ah, la caméra, je sais pas. Des fois, je dis je sais pas et vous voyez vraiment bien. Parce que vu que j'ai les éclairages sur moi, j'ai l'impression que tout ressort. Mais une fois, bon, ça s'estompe un petit peu. Par contre, il est plus clair sur la paupière que sur le pad. Hein. J'ai vraiment appliqué cette teinte-là. Genre, si vous voulez, je vous le mets en face. Mais vous voyez, j'ai vraiment appliqué. Vous voyez qu'il n'y a pas du tout de différence. J'ai vraiment appliqué cette teinte-là. À quel moment cette teinte-là ressemble à ça? J'ai plus l'impression que j'ai appliqué celui-ci. Mais genre, vraiment, wow. Ça ne correspond pas du tout. C'est trop bizarre. Mais il fait un peu crémeux parce qu'il n'y a pas de chute. Il y a vraiment zéro chute. Mais par contre, je pensais qu'il était un petit peu plus foncé. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Je vais laisser ça comme ça. Mais c'est juste que je m'attendais vraiment à avoir ça. Mais bon, ça m'étonne. Mais bon, c'est peut-être le fait qu'ils soient un peu crémeux que ça fasse ça, je sais pas. Du coup, je voulais appliquer celui-ci, mais j'ai un peu peur qu'il soit trop foncé par rapport à lui, du coup. Je vais appliquer celui-ci. Celui-ci que je vais appliquer dans mon pli ici. Ah, lui, il est plus poudreux, effectivement. Donc, en fait, c'est bien normal qu'il y ait deux textures ici différentes. Parce que lui, il a zéro... Il est pas du tout poudreux, je veux dire.
Alors que lui que je viens de prélever, qui a vraiment une texture normale, vraiment plus poudreux et donc du coup plus pigmenté. Ouais, ça fait vraiment un peu fard crème, un peu bizarre. Et du coup, il revient. Ouais, bon, c'est pas grave. J'appliquerai celui-ci aussi pour voir la texture qu'il a. Je vais appliquer du coup au coin interne ce fard-là. C'est le premier fard que je voulais appliquer en coin interne. Pour moi, il fait assez coin interne. C'est celui qui correspondrait le mieux au coin interne, je trouve. Voilà, un peu plus clair, mais bon, je vais mettre déjà le clair ici. Par contre, c'est des belles teintes, je trouve. C'est des belles teintes de teintes chaudes. Parce que j'aime beaucoup les teintes chaudes, vous le savez. Mais les teintes froides, c'est pas trop mon dada. Mais j'ai hésité quand même à prendre la teinte froide, mais bon. J'ai hésité, parce que bon. Même si, parce que je l'utiliserai jamais toute seule, je ferai jamais que un fard. Un make-up mat, moi j'aime bien quand c'est irisé. Je vais remettre le coin externe dans le ratil. Que j'ai plein de palettes, donc forcément si une palette ne me marque pas, je vais l'utiliser qu'une fois. Et c'est dommage parce que les petites palettes comme ça, j'aime bien les importer. Genre par exemple la Blue and Green, je l'ai utilisée pour le tuto, j'ai dû la réutiliser une ou deux fois, j'ai été déçue. Ah bah je l'ai jamais réutilisée. Faut que je la donne. Problème c'est que j'ai un problème, je n'arrive pas à me débarrasser de mes palettes. Je vais appliquer du coup la deuxième qui a une texture bizarre. Oh, ça fait vraiment crème. Je sais pas si vous verrez bien. Vous voyez, j'ai passé mon pinceau. J'ai pris le pinceau plat. Ça a zéro. Vous voyez, juste au-dessus là. Les deux fards sont poudreux. Et là, je le prélève. Il y a vraiment zéro chute. Ça s'accroche super bien. On dirait même une texture de base. Oh, c'est trop bizarre. Attendez, ça accroche. On dirait une base. Mais attendez, j'ai pas compris le but de la palette. Ça se trouve, c'est une base. La texture est trop bizarre. Quand tu la prélèves là. Là, elle est hyper crémeuse. Ça fait vraiment une crème. Et une fois que tu l'appliques, elle est douce. Enfin, c'est plus une crème. Enfin, c'est trop bizarre. La texture est vraiment trop bizarre. Parce que c'est pas la même une fois que tu la touches dans le pan et une fois que tu l'appliques sur la paupière. C'est vraiment trop bizarre. Ça se dégrade par contre très bien, je trouve, personnellement. Mon maquillage est très joli. J'aime bien. Bon, j'ai déplacé toute la matière sur la base, du coup je vais pas maquiller l'autre œil parce que je suis toute rouge et ma paupière gonfle. Bref, du coup je vais juste mettre du mascara et on se rapprochera pour voir au moins cet œil que cet œil est. Je sais pas ce qui se passe. Désolée pour cette vidéo qui est assez courte, je pense, mais je peux pas me maquiller mon deuxième œil, je sais pas si vous verrez, mais il est tout rouge. Déjà, j'ai trop mal juste en me maquillant. L'anti-cerne, donc bon, j'ai mis de la base et tout, je sais pas, il est assez enflé, il me pique, donc bon, désolé, je voulais vraiment sortir quand même mon avis sur cette palette parce que bon, elle vient tout juste de sortir quand même, mais moi je trouve que mon maquillage est très joli. Enfin, c'est très rare que je vais dire que mon maquillage 100% mat va être joli, mais là je le trouve joli. Ce que je trouve dommage, c'est que cette teinte là ne correspond pas du tout à ce que j'ai sur l'œil. Mais j'ai utilisé 4 teintes, je trouve quand même qu'elles sont très jolies, elles se traitent très bien. Très bizarre cette texture, celui-ci, qui fait un peu base, poudré une fois appliquée sur la paupière. Très bizarre, mais je trouve que c'est joli. En tout cas, cette couleur-là et cette couleur-là, et même en soi celle-ci, correspondent parfaitement à ce qu'il y a dans le pan, sauf celui-ci, petit hic qui ressort plus clair. Mais les couleurs sont très jolies, ça se dégrade super bien ensemble, même cette texture bizarre se dégrade super bien. J'ai pas du tout galéré à la dégrader, elle s'est dégradée partout. Très bizarre, mais même, vous pouvez voir un petit peu l'état de mon pinceau quand même. Vous voyez qu'on dirait que j'ai un pinceau avec de la base, de l'anti-cerne, tout ce que vous voulez, c'est trop bizarre. Mais il reste, enfin, le fard est très joli quand même. Je trouve que la palette, même si elle ne paye pas de mine, puisqu'on va le dire, elle ne paye pas trop de mine quand même, une palette 100% mat que de nude chaud ou de nude froid, ça donne pas spécialement envie, mais je trouve que la pigmentation est pas mal, elle est très bien même, et que ça se dégrade super bien ensemble. Petit hic, faire attention avec les teintes quand même, parce que celui-ci avec un pinceau estompeur, je pense pas du tout que ça se dégrade bien. On va faire le petit test. Ouais, ça se prélève pas trop, hein. Je pense pas que ça soit une. Ça se prélève pas vraiment. Je pense pas que ce soit un fard qui. Ouais. Qui se dégrade. Enfin, si vous voulez le dégrader en. Dans le pli paupière, je sais pas si ça va vraiment bien se dégrader. En tout cas, en aplat sur la paupière mobile, ça fonctionne bien. Pour l'instant, je vous referai des revues. Enfin, un avis avec la Too Faced sur une semaine de make-up. Parce que là, comme ça, j'ai fait un petit tuto court. Donc bon,
Mais je vais la retester, moi, hors caméra. Mais là, j'étais un peu course parce que j'ai les travaux de la maison, comme je vous ai déjà dit, c'est un peu compliqué de vous filmer tout ça, de filmer quand je peux, etc. Quand les travaux se sont finis dans à peu près un mois, je pourrais enfin filmer quand je veux ou faire plus de revues, etc. Revenir plusieurs fois, tester par exemple cette toilette, j'aurais pu la tester 2, 3 fois ou faire un avis complet. Parce que là, bon, je peux pas sur mon deuxième œil, mais bon, bref, vous avez compris. Pour l'instant, moi, je la trouve très bien, cette palette. Pas forcément me demain vite, je ne sais pas si comme ça j'arriverai à me maquiller, à avoir une idée de maquillage. Ça, je sais pas. Quand je la regarde, j'ai pas forcément d'idée. Enfin, mes idées de maquillage, c'est ces deux plus foncés en coin externe, un de ces fards en paupières mobiles, et puis les plus clairs en coin interne, en, voilà quoi. Enfin, en le même style que j'ai fait. Je vois rien d'autre, quoi. Je suis pas emballée. Il n'y a pas un truc qui me fait que. Mais bon, à retester. En tout cas, pour l'instant, mon premier make-up, j'ai un très bon avis. J'aime beaucoup les fards. Pour une palette très simple, c'est vraiment très dommage. Mais en tout cas, pour moi, elle fait l'affaire pour une palette de tous les jours, une palette très nude qui peut correspondre à un maximum de personnes. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et je vous dis à plus tard.